En juin, je passe le concours au Conservatoire National Supérieur. Mon rêve d'y entrer. Il y a combien de musiciens qui réussissent? Et aveugles, en plus. Ça va s'aggraver, Marie. Vas-y. Il va falloir que j'en parle à tes parents. Il faut que je finisse l'année. J'ai pas le choix. Victor, avec toi, on n'est jamais déçu. Zéro. Je peux te faire réviser, t'aider à rattraper ton retard. Je sais pas. T'as un ticket avec Marie. Dis-moi, papa, maman, comment t'as su qu'elle était amoureuse de toi? Je l'ai senti, c'est tout. Tu veux dire qu'il n'y a pas de signe? Plus souvent, elles ont les cheveux qui se restent comme ça sur la tête. Je peux jamais discuter sérieux avec toi. Le regard, Victor, ça c'est important. C'est dans le regard qu'on voit qu'une femme est amoureuse. C'est le premier chapitre d'une histoire d'amour. À demain. Attention! Le pire, c'est que t'as voulu te servir de moi. Et quand tu m'as pris la main, tu m'as pris pour quoi? Un labrador, hein? Ouf, ouf! Tu sais, l'amour sont les mensonges, c'est plus l'amour. Tu sais, si c'est important pour toi, lâche pas l'affaire. Marie, est-ce que vous pouvez lire ce que je viens d'écrire au tableau? C'est de pire en pire. J'irai jamais dans ton institut pour aveugle. Sans toi, c'est moi qui serai aveugle. C'est pas parce que vous êtes sûr qu'il faut priver les autres du talent de Marie. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place?